Donc, bienvenue à tous. On doit être normalement plus nombreux, les autres vont sans doute arriver bientôt. Donc, l'idée, c'est pas de suivre un cours pour apprendre à composer, c'est simplement composer ensemble. Donc, moi, je vais simplement vous montrer comment je procède, et puis on va faire ça ensemble, quoi. Donc, le but, c'est de faire une composition par harmonica, une composition collégiale. Puis après, je la jouerai, je ferai un petit clip avec ça. Enfin, ça peut être... On pourrait même la déposer à la SACEM, pourquoi pas, si ça nous plaît, si ça plaît à tout le monde. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir Final. Alors, en fait, comment je fais pour... Tiens, bah, Camille, est-ce que tu as déjà composé? Oui, un peu, je crois. Tu as déjà fait un morceau d'improvisation ou... Oh oui, mais alors j'ai pas de technique, moi. Je fais un petit peu comme ça les notes sur l'harmonica, et puis quand je commence à voir quelque chose qui vient, ben après je fais avec, mais autrement j'ai pas de méthode particulière. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant ce soir d'apprendre des techniques, quoi. D'accord, oui, ok. Alors en fait, moi, ce que je fais, alors je sais pas si Mick, tu peux nous dire. Alors Pascal, il faut que tu actives ton micro. Ça y est, ça va? Ouais, youpi! Bonsoir Pascal. Bon, on te voit pas, mais on t'entend. Bonsoir Bertrand, bonsoir tout le monde. C'est le Ah. principal. Ouais. Donc, alors qui. À part Camille, Mick, t'as déjà un peu composé ou pas? Un peu? Alors, on l'entend pas du tout, Mick. Et Pascal, pas du tout. Ah non, non, moi je suis une vraie quiche. Je connais bien le solfège, les règles de l'harmonie et tout, mais j'ai Bon. aucune inspiration pour trouver des mélodies. Bon, Ah, bon, on alors. va se compléter alors. Parce que moi, je connais rien, mais par contre. D'accord. Non, mais c'était pour enfin, vous demander comment vous procédez habituellement. Alors, bah, je vais vous dire, moi, comment je procède habituellement. Et puis, on va choisir ensemble. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, alors, il y a plusieurs possibilités. Bon, je vous passe les moments où je me lève avec une mélodie en tête et, oh, j'ai presque déjà tout et puis j'ai plus qu'à recopier. Ça arrive de temps en temps. Oh bien. C'est arrivé encore récemment, enfin, il y a quelques mois. J'ai rêvé que je composais, hein, que je jouais du blues à l'harmonica et je me suis réveillé avec l'air du blues dans la tête. Je me suis précipité sur les partitions, j'ai un bureau à côté de mon lit, et je me suis précipité sur les partitions. J'ai refait ça à une vitesse pour pas, surtout pas oublier. Et ouf, en 3 minutes, j'avais écrit tout le blues. Et puis voilà, donc, c'est une composition que j'ai faite en rêvant, donc ça arrive de temps en temps. Bon. Bravo. Mais ça, oui, enfin bravo, je sais pas, ça, je sais pour rien, ça s'est fait comme ça. Bon, ça s'est imposé à moi, on va dire. Donc bon, je sais pas si un jour ça ferait un succès. Je sais que Paul McCartney s'est arrivé avec une chanson qui s'appelle Yesterday. Et c'est quand même la chanson la plus jouée, la plus reprise au monde. Bon, donc lui, il a eu un sacré coup de bol. Je ne sais pas si j'aurais le même coup de chance que lui. Enfin bref. Non, à part ça, j'ai deux manières de procéder. Soit je commence par un motif mélodique, soit qui me vient en tête, soit que je joue l'harmonica, un tout petit motif, dans quelques notes. Et je me dis, ah tiens, c'est sympa ça. Et je l'écris, et donc je l'écris en mélodie et en rythme. Et puis après, je le développe. J'utilise des techniques de composition pour développer le motif. Une fois que j'ai développé le motif, j'essaie de trouver l'harmonie. Donc là, c'est là que Pascal va pouvoir nous aider. Et donc, je trouve l'harmonie. Et puis, une fois que j'ai trouvé, bah, dans quelle tonalité je suis, dans quel mode, je trouve les accords qui vont bien avec. Et puis après, on crée l'arrangement. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais dans la plupart des cas quand j'ai une petite mélodie en tête. Ou alors, quand je sais pas trop. Ou simplement que j'ai envie de faire autrement. J'ai une autre démarche qui me permet d'être encore plus créatif, je trouve. Parce que quand on fait des mélodies, des fois un peu, pas toujours la même chose, mais ça arrive qu'on refasse des mélodies qu'on a déjà faites, ou pas forcément faire des choses très originales. Et là où c'est plus original, c'est quand je m'impose des contraintes. C'est-à-dire que je me rappelle que la première fois que j'ai fait un morceau pour harmonica avec une contrainte, c'est parce que je voulais composer pour un petit harmonica qui s'appelle le Little Lady, harmonica de chez Honor qui s'appelle le Little Lady. C'est un tout petit harmonica qui tient, alors ça tient tellement dans la bouche qu'il faut faire attention de ne pas l'avaler parce qu'on pourrait vraiment l'avaler. Et je voulais composer un, j'avais fait un concert d'élèves avec un élève qui avait un puck, donc c'est une autre taille d'harmonica. Ah ouais, c'est tout petit, j'en ai un aussi. Ah oui. Ouais. Et donc, le punk ou le Little Lady?
Le puck. À le puck, ouais. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire une petite démonstration de différentes tailles d'harmonica diatonique, donc des très gros, des tout petits, etc. Et je me suis dit, plutôt que de faire le guignol, faire avec il rien faire, je dis, pourquoi je ne ferais pas un petit morceau? Donc un petit morceau, j'ai composé Little Lady, évidemment. Enfin, je dis évidemment, c'est un hommage à l'harmonica. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une poussière qui était logée dedans, et je n'arrivais pas à voir le la. Donc je me suis dit, bah, ok, bah, très bien, je vais faire une composition sans le la, donc une composition do majeur, mais en enlevant une note. Et du coup, Ah ouais. ça m'a donné, comme j'étais obligé de contourner ce problème, bah, ça m'a donné des idées, quoi. Et c'est des choses que je fais maintenant régulièrement, c'est-à-dire que je m'impose souvent une contrainte. Par exemple, là, la dernière composition que j'ai mise en ligne là, en clip, c'est en hommage, enfin en hommage, c'est sur un chien, parce que bon, c'est... J'ai Domino. passé, voilà, domino, bon, de Trop 12 bien. jours avec un élève et son épouse, et ils avaient leur chien avec eux. Et puis moi, qui aime beaucoup les animaux, bah, enfin, je trouvais mignon ce chien. Il s'appelle Domino. Et je me suis levé un matin en disant, tiens, ah, ce serait marrant de faire un clip vidéo sur le chien, quoi, parce que le paysage, Nantes, tout ça, les marais salants, tout ça, bon, ok, le château, bon, ça, ok. On dit, bon, bah, oui, tu vises les monuments, tu vises la région, les paysages, les gens, tout ça. Mais le chien, c'est bon, je dis, tiens, c'est intéressant, c'est un souvenir de vacances, le chien. Bon, et comme j'avais un peu filmé le fameux domino, je dis, qu'est-ce que je vais trouver comme composition, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis, tiens, ce serait marrant de faire un jeu de mots sur son nom, parce que do, mi, no, c'est do et mi, sont deux notes. Et donc, je me suis dit, bah tiens, j'étais, comme d'habitude, enfin, les meilleures idées, j'ai trop soit aux toilettes, soit la douche, soit dans mon lit, bah là où je suis détendu, en fait. Et j'étais en train de me laver les mains là et me dire ah domino bah tiens domi et puis no en anglais ça veut dire non évidemment donc domino bah do et mi non c'est-à-dire qu'en fait je vais prendre la gamme de do majeur mais je vais jouer ni le do ni le mi ce qui est quand même une sacrée contrainte parce que normalement une gamme de do majeur tu t'attends au moins qu'il y ait au moins un do quand même et puis peut-être des mi quoi parce que le do et mi c'est quand même deux notes importantes dans la gamme de do majeur. Et en fait je me suis dit bah tiens je vais justement faire exprès de pas mettre ces notes là donc il me restait Ré, Fa, Sol, La, Si. Et puis bon, la tonalité, finalement, c'est pas Do majeur. Le mode, non, le mode, c'est pas. Enfin voilà, je suis servi, je dis, tiens, je vais me servir de Ré, Fa, Sol, La, Si. Et comment je vais faire un morceau avec ça, un morceau qui soit plaisant? Bon, voilà, donc je pense avoir réussi. Et donc, mais c'est. Voilà, je pars d'une contrainte. Ou alors, je prends une gamme et je me dis, tiens, soit j'enlève une note, soit je rajoute une. Soit je me dis, tiens, je vais faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais à la place du Fa, je vais me faire le Fa dièse. Bon, ce qui me donne la gamme de Do lydien. Bon, peu importe le nom, mais c'est. Ça me donne une autre gamme, quoi. Donc voilà, c'est des propositions. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez partir d'un motif mélodique? On part d'une contrainte, on s'impose de faire une composition avec seulement un accord ou seulement quelques notes ou on change les notes d'une, enfin, on change les notes d'une gamme ou qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ben, je ne sais pas si Camille dit qu'elle a des tas d'idées de mélodie, on pourrait peut-être lui demander une idée de départ. Ah oh bah tout à fait, oui. Oh. Dit-elle timidement quoi? Là, en plus, tout de suite, non, mais ouais, c'est vrai que des fois, j'ai des idées comme ça, là, tous les... Mais moi, c'est pareil. C'est quoi ce guet-apens? L'autre fois, je suis arrivée, c'est pareil, des fois j'ai des idées, mais loin d'un bloc-notes, évidemment, toujours. L'autre fois, c'était, j'étais en train de faire du vélo, j'avais une idée, ah, ben, génial. Mais... Ah oui, c'est pas terrible ça. Non, moi j'aime bien la méthode des contraintes, parce que justement, enfin, je trouve que D'accord. ça fait travailler un peu l'imagination, parce que du coup, on est obligé de... Oui. Voilà. Bon, bah ok, contrainte. Qu'est-ce qu'on prend comme contrainte alors? Oula. Donc, soit on n'utilise que quelques notes. Alors, par exemple, je vous donne des exemples de contraintes. On ne va pas prendre celle-là, parce que je les ai déjà utilisées. Donc, c'est à vous aussi de me donner des idées. C'est le but, c'est de faire un truc ensemble. Hein. Exemple de contrainte, j'ai fait un morceau avec que des notes soufflées. C'est-à-dire do mi sol, parce qu'il y a une note soufflée, alors on casse do mi sol. Donc j'ai fait un morceau avec uniquement do mi sol. Et ça sonne, hein, je vous assure que vous le découvrirez bientôt. Bon, et j'étais parti d'un morceau, enfin j'étais parti d'une autre contrainte. C'était un élève qui m'avait dit, est-ce que ça existe des morceaux où il n'y a que des notes aspirées? Moi, je crois pas, mais je vais en faire un. Hein. Donc je suis parti là-dessus. Donc il y a quand même le ré, le fa, le sol, enfin le ré, Là. au moins ré, sol, si, ré, fa. Donc sol si ré fa donc ré sol si ré fa oui, c'est ça et le la
Ré, sol, si, ré, fa, la, ouais, ça fait 6 notes, donc ça fait quand même presque une gamme complète, donc c'est pas trop difficile de faire. Non, mais le sol, il est soufflé, Bertrand. Ben non, mais le do aspiré, c'est un sol aussi. Ah, tout en bas! Ah oui, moi j'étais dans le médium. D'accord, ok, j'ai rien dit. Voilà. Après, tu as aussi la possibilité d'altérer, et puis là, tu as presque toutes les notes. Mais en utilisant que les notes naturelles, tu as quand même 6 notes. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire plus fort, je vais te laisser quand les notes soufflées. Et je me suis dit, voilà, do, mi, sol, et bon, évidemment, si je fais un morceau en do et que je fais do, mi, sol, ça va pas être terrible, donc je vais changer l'harmonie. Bon, voilà, donc ça, c'est des contraintes vraiment techniques, quoi. Mais sinon, alors moi, j'aime beaucoup la musique modale. Je sais pas si vous connaissez un peu la musique modale. Ouais. Ouais. Donc, l'idée, c'est que je prends un mode qui me plaît. Moi, je fais souvent le lien entre les ambiances, comment je me sens et les modes, parce que je, voilà, j'ai des, y a une musique que j'ai faite que j'ai pas sortie encore, que j'ai appelée ambiance dorienne, parce que ce jour-là, je me suis dit, oh là là, c'est l'ambiance de la journée, c'est une ambiance dorienne, ça. Bon, voilà, c'est des choses qui me viennent comme ça. Donc c'est, voilà, soit on prend un mode, soit on peut même inventer ses propres modes, ou, voilà, je sais pas, dites-moi, hein, je ne veux pas parler tout seul, qu'est-ce que vous proposez? Soit on prend une gamme et puis on change des notes, ou on enlève des notes, ou on en rajoute. Qu'est-ce que vous... Réflexion, il faut bien réfléchir, hein, parce qu'après la contrainte, Oh, mais oui, après, bon. après il faut s'y tenir, t'as raison. Ouais. Après, ça dépend. Des fois, on a une idée, et puis quand on commence à développer, on dit, ah, oh, finalement, attends, on va peut-être faire un peu autrement, puis ça devient autre chose. Mais ça C'est permet vrai. d'avoir une idée de départ, quoi. Pour déclencher la créativité, il nous faut une contrainte de départ, quoi. Donc, on s'impose un peu ce qu'on veut, et puis après, bon, on verra, quoi. Soit on s'impose vraiment le plus amusant, c'est s'imposer la contrainte jusqu'au bout. Mais après, on verra en développant la mélodie ce que ça donne, quoi. Puis des fois, je commence avec un mode, et puis quand je passe pour le couplet, puis quand je passe au refrain, je dis, oh, bah, finalement, je vais changer de mode, et puis hop, tiens, ça peut être aussi. Bon, finalement, je change de contrainte. Non, Ça peut être. Oui, non, mais bien sûr, mais ça peut être. Hein, ça peut faire partie de la consigne, quoi. Dire, tiens, par exemple, je fais un morceau, je m'étais amusé à faire ça avec un morceau de jazz que j'avais écrit pour un petit groupe de jazz qui s'appelait Paysage Modal. Et. Il y avait, je sais plus, je crois que c'était lydien dans le couplet et phrygien dans le refrain, et en 4 temps dans le couplet et en 3 temps dans le refrain. Je lui dis, tiens, je vais m'amuser à faire ça, quoi. Bon, voilà, c'était suffisamment de contraintes. Je lui dis, bon, maintenant au boulot, quoi. Et puis bon, voilà, ça a sorti un petit morceau sympathique. C'est pas le meilleur morceau de jazz du monde, mais c'était sympa à faire, quoi. Donc des fois, c'est voilà, il y avait un autre blues là qui avait un peu plus marché, qui avait été bien apprécié. Qui était un blues où un blues lydien, voilà. Donc à fond la caisse, quoi. Vraiment un truc à 160 à la noire, un truc que je fais jamais d'habitude. Bon, je dis voilà, c'est la contrainte, et puis je vais essayer de trouver quelque chose. Donc bref. Alors sinon, il y a une autre contrainte qui est sympa. Je vous donne des idées comme ça, hein, comme ça me vient. Une autre idée qui est sympa, c'est de reprendre une grille harmonique existante et de faire une autre mélodie par-dessus. Parce qu'en Ah fait, ouais, c'est pas mal ça. personne n'est propriétaire d'une grille harmonique. C'est-à-dire que tu peux reprendre. Alors, si c'est vraiment très, très, très original, tu te dis, ouais, bon, là, quand même, on reconnaît un peu trop, tu vois, la patte du compositeur. Mais sinon, on peut prendre une grille harmonique. Et puis, j'avais fait ça, par exemple, avec un morceau qui s'appelle un morceau de jazz, qui s'appelle Bye Bye Blackbird. Je sais pas si vous connaissez ça. Bye Bye Blackbird. Bon. Et j'avais repris toute la trame harmonique. J'ai changé deux, trois accords, mais franchement, j'ai presque repris tous les accords. Et je me suis dit, comme je prends Bye Bye Blackbird, mais pas du tout le même tempo, pas du tout la même mélodie, bah, je prends un peu le contre-pied de Bye Bye Blackbird. Donc j'ai appelé ma composition Hi Hi White Cat. Ah. Et quand je l'ai. Alors, j'ai eu la chance de faire jouer cette composition par des musiciens de jazz professionnels dans un studio. Et donc, j'avais créé la partition pour chaque instrumentiste, parce que quand j'écris pour orchestre, j'écris partition professionnelle, quoi. Je passe autant de temps à créer les partitions qu'à composer, mais enfin, c'est pas grave. Mais au moins, c'est quand ils ont la partition sur le pupitre, ils sont habitués, la partition est bien écrite, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, ils jouent aussitôt, quoi. Bon, ils n'ont même pas besoin de travailler, ces gens-là. Mais c'est des musiciens qui fonctionnent, quoi.
concert et studio. Et je pose la partition devant le contrebassiste, donc il y avait tous les accords du morceau, toute la structure du morceau avec les accords. Il voit le titre, mais enfin, il n'a même pas lu le titre, parce qu'il s'est dit c'est une composition, c'est pas la peine que je regarde le titre, je ne connais pas le morceau, c'est une compo. Il a à peine jeté les yeux sur la partition, 3 secondes. Hein. Il me dit, ah, on fait Bye Blackbird? C'est extraordinaire. Ah Là, ouais, tout, quand même. tout, en un... Je dis, non, ouais, en fait, voilà, je t'explique, je l'appelais Hi Hi White Cat parce que justement, j'ai repris toute la trame harmonique de Bye Bye Blackbird. Donc, on va jouer une autre mélodie par-dessus. Ah ouais, c'est intéressant qu'il me dit. Voilà, donc, comme quoi, bon, il a quand même reconnu, donc c'est quand même assez Ouais. original, mais j'ai le droit de m'en servir. Donc, ça peut être aussi, voilà, on peut aussi faire ça si vous voulez. Oui, mais en partant de quoi? Ah bah là, on peut choisir une chanson. Bah après, donc si on choisit de partir sur une trame harmonique et de composer dedans, c'est pas le plus simple, mais c'est intéressant à faire. Bah là, vous choisissez une de mes partitions. J'en ai pas beaucoup chez moi, j'en ai 6 000. On va mettre 3 semaines à choisir. Parce que pour qu'on se mette tous d'accord sur la même, ça va être long, hein? Non, mais bon, alors soit, je sais pas, une petite balade. Ouais, soit une petite balade de. Je sais pas, vous aimez le jazz ou pas? Tout Oui. Oui, le ça monde? passe. Ça passe. Ouais, ça passe. Bon, ben sinon, on prend une petite, je sais pas, une petite balade de jazz traditionnelle, quoi, et puis comme ça, on compose autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Attendez, je vais chercher quelques. Mick aussi est d'accord. Mick, il communique par la fenêtre de discussion. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une petite partition de jazz sympa, et puis on va partir de ça. Ok, donc j'arrive dans quelques secondes, vous pouvez discuter entre vous. Ok. Discuter, parce qu'on va diffuser sur YouTube après, donc c'est Ah ça. oui, ça va faire des blancs, Voilà, sinon. il faut meubler, sinon les gens vont quitter la vidéo. Bon, alors moi, je m'aperçois, là c'est Pascal qui parle, je m'aperçois que je ne connais ni Camille ni Mick. Je n'ai jamais vu le mercredi soir au live. Peut-être que vous êtes sur Facebook. Non, moi je fais pas les lives. C'est rare que je fasse les lives, mais là, quand j'ai vu le mail, moi j'aime bien. Moi, je suis À la aux salle. Agora. Je suis inscrite à la formation et je fais les Agora. Enfin, je fais les cours D'accord. de Bertrand le mardi ou le jeudi, dépend. Mais OK. oui, généralement, je suis pas beaucoup au live parce que le mercredi, bon, je fais des trucs à droite à gauche, que je bouge, donc c'est rare qu'on me voit. Mais là, quand j'ai vu le thème, je me suis J'ai dit ça peut être compris, quoi. intéressant. Ouais. Ah, mais toi, donc, tu as des inspirations de mélodies comme ça, quoi. Oui, voilà, mais alors moi, j'y connais pas. J'ai les inspirations, mais j'ai pas la technique. Voilà. C'est-à-dire qu'après, Oui. c'est juste. Alors, oui, mais par contre, il faut te dire un truc. L'essentiel, c'est d'avoir l'inspiration. La technique, ça peut toujours s'apprendre. Parce que sinon, Après, tu peux je avoir. voyais, il a raison quand il dit Bertrand, parce que c'est vrai que quand j'ai l'inspiration, mais après, ça part toujours autour des mêmes thèmes, quoi. Ça part vite autour des mêmes notes, donc ça peut être intéressant, oui, de. Ouais, et d'habitude, c'est quel style, toi, qui te vient en tête? C'est des morceaux. Comment j'aurais décrit ça, moi? Oh, c'est des morceaux lents, ouais, c'est des. J'aurais pas dit le style, c'est des petites mélodies pour l'instant que je fais, parce que comme je sais pas. Comme enfin, je débute, oui, ça fait. Et ça va faire un an, remarque, que je commence les cours, mais bon. Ah bah c'est super. Comme Mais je. t'en as pas une à nous fredonner là? Oh là là. C'est-à-dire qu'en plus, là, j'ai l'harmonica, il est loin et j'ai deux ordinateurs sur moi. Ah, d'accord. Eh ben c'est pas grave, tu nous le chantes. Oula, oh, je sais pas chanter, moi. Non, mais. De toute façon, Non, écoute, mais vous êtes bien chez j'en vous. avais fait un, mais que j'avais envoyé à Bertrand, mais je ne sais pas s'il a été mis ou pas sur le. Au pire, il faudrait que je le mette sur la page sur le Facebook. Ah, d'accord, ok. Parce que je les enregistre souvent les trucs que je fais parce que c'est pas mal après pour Oh ben c'est réécouter mes chouette. bêtises et me dire oh là là, ça c'est la catastrophe. Mais justement, alors toi, tu as commencé à quel niveau il y a un Pas an? zéro, moi. Zéro Zéro. pointé. Et là, par exemple, tu en es où au niveau des altérations?
Alors là, je ne les ai pas encore faites, moi, parce que je fais la formation et puis c'est vrai que déjà, je prends mon temps parce que moi, Raison. j'aime bien là-dessus, je suis enquiquinante parce que il faut que je passerai pas au truc suivant, je vais rester bloquée tant qu'il y a un truc qui me chafouine, je vais pas y aller. Eh ben, t'as Donc, du bien coup, raison. j'ai fait exprès de me bloquer au module 6 et puis en plus. J'ai un gros problème de discipline, c'est-à-dire que c'est pas que je vais pas faire mon harmonica, c'est que généralement je vais faire le truc. Et au lieu de faire ce qui est écrit sur les partitions, je vais aller faire ce que moi j'ai dans la tête, ou ce qui me passe. Et résultat, la demi-heure est passée et après j'ai des choses à faire. Donc il faut ranger l'harmonica, il faut T'inquiète pas, reprendre. je crois que t'es pas la seule à faire comme ça, tu sais. Ah ouais, mais Et résultat, il se passe des fois une semaine sans que j'ai fait de l'harmonica, mais j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et résultat, après, bon, bah, on va se rafraîchir la mémoire, on va reculer un peu. Voilà. Ouais. Mais par contre, moi, je trouve que tu as tout à fait raison de ne pas passer à la chose suivante tant que tu n'as pas bien maîtrisé ce que tu es en train d'apprendre. Moi, j'essaye de faire pareil. Et moi, j'ai commencé, parce que j'ai une formation de musique classique, j'ai commencé au module 7 pour apprendre les altérations. Bon, alors, le sol dièse, la bémol, ça va. Mais alors, le 3 altéré, c'est une galère. Ah, Mais mais une déjà qu'ils sont ils galère. sont pas évidents les moi je trouve que les aspirations au tout début là les 1 2 3 ils sont pas évidents à fournir. Je Non, sais que généralement le 2 aspiré oui, c'est ça qui est un sol. il est dur celui-là. Ben, généralement, moi, je vais tricher et je vais aller aux trois soufflés. Bon, moi, je fais pareil Généralement, je me dis, je vais le rater et ça va pas marcher et ça va Il va me casser direct aux mon trois morceau, donc soufflés. je vais aux trois. Ouais. Alors, bon, il sort quand même, hein, le. Parce que de toute façon, de temps en temps, on essaye, et puis à force, il sort le 2. Mais. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas trop le choix parce que si on ne le fait pas, il y a des morceaux où le problème, c'est que quand il faut jouer du 1 avant puis après passer, il vaut mieux des fois, tant pis, glisser et faire avec le 2, que Oui. sinon, ça fait faire une gymnastique et moi, je me paume après sur le truc. Ah, Et là, d'accord. j'ai pas le OK. choix. Non, non, mais c'est vrai. Et puis, faut se dire aussi, j'imagine que quand on aura atteint un bon niveau, n'est-ce pas, il y a forcément des mélodies qui nous obligeront à passer par le 2 aspiré. Ça, c'est Ça oui. justement, comme tu dis, dans les gymnastiques entre les notes et tout. Hein, c'est ouais. C'est pour ça que moi, des fois, je m'y oblige, mais bon, quand je joue toute seule, après, généralement, quand je veux faire un morceau et que je veux le faire bien, je me dis, bon, allez, tant pis, ce sera le 3. Mais Oui, ouais, bah c'est pas oui. évident. Mais les altérations, j'ai hâte de m'y mettre parce que c'est vrai que c'est bien, c'est un tout petit instrument, mais alors, il est tout petit, mais alors, du coup, c'est. Ben, on parlait de contraintes tout à l'heure. Ben, c'est bien parce que moi, quand je veux composer, souvent, j'ai les idées qui arrivent et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, ça serait bien que j'arrive à faire cette note. Ah ben Oui, non. c'est pour ça que c'est bien d'avoir des contraintes qui ne sont pas des contraintes Moi, techniques. les altérations, c'est limité, hein. Parce que, en fait, quand on s'est dit, bon, bah tiens, je vais commencer par une mélodie que je vais sortir, on dit, bah non, forcément, si il y a des notes que tu ne sais pas jouer, bah tu ne vas pas les composer, tu vois, tu ne vas pas les écrire. C'est Alors, clair. le fait de faire, c'est pour ça, souvent, ça étonne les gens, tu dis, mais tu ne sais pas jouer de cet instrument, mais tu composes quand même. Bah oui, justement, je fais. La composition, ça permet de composer pour des morceaux, même si tu ne sais pas tout jouer ou si tu ne sais pas en jouer du tout. Sinon, t'imagines, quand tu fais des conventions pour les grands orchestres, tu ne peux pas jouer tous les instruments. Donc, quand on entend une de mes compositions pour trompette, on me dit, ah, tu fais la trompette? Non, j'en ai jamais fait. Ah bon, mais Non, tu peux. mais je suis d'accord avec toi. Mais là, en rapport à ce qu'on disait avec Camille, c'est que Camille a dit qu'elle a commencé au niveau zéro l'année dernière. Donc, il faudrait qu'elle ait au moins la maîtrise d'une base de solfège pour pouvoir écrire ce qu'elle a dans la tête. Moi, j'écris les tablatures. Oui. Et après, je me les fais dans la tête. Camille, elle joue beaucoup d'oreilles. Ok, donc, alors je vous ai trouvé une petite balade un peu originale parce que je me suis dit, si on prend que du 2-5-1 tout le temps,
ce sera peut-être pas assez contraignant pour qu'on trouve quelque chose. Là, j'ai pris la partition de Embrace Ibelliou. Je sais pas si vous connaissez ce thème. Non. C'est un thème de Gershwin. Vous connaissez Gershwin? Ah oui, et c'est une bonne idée, ça, du Gershwin. Voilà. Donc, bah, je vous joue, si vous voulez, la mélodie originale, ou alors je vous la joue pas, et comme Si, 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 ça si, vous influence pas, mais bon. Donc, ça c'est plus s'appelle sûr. Embrace Ibelliou. Alors, je me demande si je l'ai pas déjà fait sur YouTube, parce que sinon, parce que si l'ai déjà fait, ça va je vais vous faire écouter la piste d'accompagnement en même temps, ce sera encore mieux. Je vérifie parce que j'en ai tellement fait que, des fois, je me dis, ah, ce serait pas mal que je joue ce morceau-là. Ce que j'ai fait il y a quelques jours, ah, hein, ça va leur plaire, c'est une super balade. Et puis je la mets sur YouTube, bah, il y a déjà une vidéo qui s'appelle comme ça, ah, bah, je l'avais déjà fait 5 auparavant. Ah oui, c'était moi, ouais, c'est ça. Bon. Ouais, voilà, bah, justement. Alors, je vous fais. Donc, je vais partager l'écran, je vais vous faire écouter la version. Enfin, ma propre version, l'harmonica de ce morceau. Et si ça vous plaît, ben on va partir de la grille harmonique et on va refaire un autre morceau par-dessus. Ok? Alors, je vous laisse OK. écouter. Bon, okay. Alors, c'est au début.
Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance du morceau? Très bonne ambiance. C'est super, c'est bien, c'est doux, ça évoque toute une époque. Bon, très bien, ok. Et ça met des images en tête, beaucoup d'images en tête. Bon, d'accord. Donc, alors on y va. Donc, alors ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais copier les accords. Faire, c'est ça, voilà. Oui, Ah ben voilà. Do 7 sus. Connais pas cette notation-là, moi. c'est alors. Attends, il y a Mick qui nous dit très bien. Super. Alors, sus, c'est la carte suspendue en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu en c'est un do 7 dans lequel tu remplaces le mi par fa. Ça annonce la tonalité de fa majeur, si tu veux. Ça l'annonce encore plus qu'avec le mi. Ah bah je connais pas ça moi. Voilà, bah c'est do 7 sus. Donc en fait, soit on écrit, toi, par exemple, do sus 4, donc ça veut dire suspendu, carte suspendue. Donc quand on met do sus 4, ça veut dire carte Oui. suspendue. Et dès qu'on a la septième, on n'est pas obligé de mettre le 4, on peut mettre directement do 7 sus. Ça signifie que la carte est suspendue. Alors généralement, quand on fait ça, c'est qu'on met par exemple do 7 sus. Et puis après, Do7, c'est-à-dire que le Fa, on a donc Do, Fa, Sol, Si bémol, et le Fa, il est résolu sur le Mi. Donc ça donne un effet assez sympa, tu vois. Ah, d'accord. Mais ça, c'est une notation typiquement pour les compositions jazz ou quoi, parce que moi, j'ai jamais vu ça en classique. Non. Ah bon, en classique, ça se fait un peu moins, mais tu vois, chez Bob Dylan, par exemple, tu prends un Blowin' in the Wind, il y a aussi un sus 4, quoi. Donc c'est non, c'est pas quelque chose de. Ça se fait pas mal en country, en rock, enfin dans plein Ah, de. d'accord. Alors, je savais pas, tu vois. Bon. Alors donc, déjà, donc les deux premières mesures, on n'est pas obligé de composer dessus, c'est juste l'introduction. D'accord. Le morceau, il commence vraiment à Fa 6. Donc bon, bah Fa 6, ça c'est Fa majeur. Le Fa diminué 7. C'est pour préparer le sol mineur 7. Qui arrive là, ouais. Ensuite, on repasse sur un do. Alors en fait, le Fa diminué 7, c'est Fa, La, Do, Mi bémol. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Je suis fatigué, moi. Fa, La bémol, Do bémol et Mi double bémol. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si on avait Fa, La bémol, Si, Ré. Voilà. Donc, Alors, attends, je comprends pas d'où il sort le la bémol. c'est un Fa diminué 7. Fa diminué 7, ça veut dire que Oui. toutes les. C'est construit qu'avec des tierces mineures. Donc, tu as un Fa, Ah, ouais, d'accord. un bémol, Donc, au-dessus, tu as fa un la bémol, ok. bémol, et après, tu as un Donc, Mi. après, si, oui, et double bémol, ce qui fait ré, d'accord. Donc, en fait, parce que Fa, Ah! La bémol, Si Ré, ben c'est pas loin de l'accord suivant, Sol mineur 7, qui est Fa, Sol, Si bémol Ré. Ouais, c'est tellement proche que ça amène l'accord suivant. Il D'accord. faut simplement, quand on va composer notre mélodie, faire attention aux notes qu'on va jouer sur ces accords-là, mais ça on va en voir au fur et à mesure. Donc après, Sol mineur 7, Do 7, ça c'est un 2-5-1 traditionnel en Fa majeur. Là. Donc après, il y a une petite. Alors après, les bémol 5, bémol 9, ça c'est des enrichissements, mais en gros, on est toujours en Fa majeur.
Voilà. Bon, on va déjà. Je propose de toute façon qu'on commence par trouver une petite mélodie déjà sur les premiers accords. Parce que si on reprend, donc, ce qui peut être sympa, sans évidemment copier, non, le but c'est pas de faire un plagiat, mais c'est comme ça que je fais, par exemple, sur une composition, si j'ai envie de refaire une composition dans le style de. C'est que j'analyse ce qui est fait à l'original, je comprends la manière dont c'était construit, et je reçus le même plan avec des mélodies différentes. Quand j'ai composé ma toute première invention dans le style de Bach, Oui. j'ai écouté un clavieniste qui m'a dit waouh, super! Et donc le gars qui a composé ça, il a dû en bouffer du Bach, j'en avais jamais joué. Mais c'est simplement que j'avais analysé la partition. Et j'ai refait d'après un patron, si tu veux, une espèce de template. Ouais, et ben la moralité dit que tu es, c'est pas pour te cirer les pompes, tu es vraiment quelqu'un de doué, parce que moi j'ai même imprimé justement tout ce que tu as écrit en musique baroque. Et je peux te dire que mon mari qui adore ça, il se régale. C'est pas lui qui joue, hein, c'est moi. Mais je t'assure, mais on s'y croirait. C'est gentil. Mais bon, j'ai été formé par un grand professeur de composition. J'ai pas tout découvert moi-même. Hein. Ça fait 20 Mais ans. enfin, quand même si tu as un excellent professeur, il faut avoir un bon terreau en soi déjà, quand même. Il faut écouter beaucoup de musique, en analyser beaucoup, en jouer beaucoup. Bon, enfin, bref. Alors, allons-y. Donc, enfin, merci en tout cas de ton compliment. Donc, voilà comment la mélodie est construite. Au début, on a juste trois notes. Le premier thème, en fait, c'est ça, c'est Ré mi fa. Après, il développe. Donc, on peut déjà commencer par ça. Donc, en fait, au lieu de faire Ré mi fa, il nous faut trouver un petit motif juste sur le genre sur Fa 6. Donc, Fa 6, c'est Fa majeur, donc c'est n'importe quelle mélodie, tu vois. Mais c'est bien de. Pour exprimer la tonalité et le mode, donc la tonalité Fa et le mode majeur. C'est bien que dans la mélodie, il y ait au moins le fa peut-être, et peut-être le la, ou voilà, quelque chose, ou le do, fa la do, ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, de l'accord parfait, quoi, pour Et rappeler. voilà, pour Ouais. que d'un seul coup, on soit dans. Ou alors, on fait complètement différemment. On peut très bien dire, bah, justement, je fais en sorte de laisser planer le mystère. J'ai fait ça sur pas mal de compositions, où je compose une mélodie. Ah ouais, pas mal, t'as une mélodie en do, puis quand tu l'écoutes, ah bah non, c'est pas en do du tout, parce que j'ai fait exprès de laisser planer un peu le doute. Voilà. Ah. Il nous faut surtout une mélodie. Donc, on va demander à Camille de faire ça. Parce qu'elle improvise des mélodies. Est-ce que tu peux nous proposer une petite mélodie juste sur 3-4 notes en Fa majeur? Donc, avec soit les notes Fa, Réflexion, Fa sol, La do, Ré. Si tu connais pas le Si bémol, c'est pas grave. Tu peux faire soit Ré, soit Do, soit Fa, soit Ré. réflexion. Réflexion. Je précise à ceux qui sont au live qu'on joue sur un harmonica en si bémol. Donc toutes les notes que vous entendez, elles sonnent un ton plus bas que les notes écrites. Voilà. Donc voilà, vas-y Camille, enfin je lui dis vas-y, mais je te donne pas un ordre. Hein. Si tu as l'inspiration. Sinon moi je vais en trouver, mais. L'adorer, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, il faut ces quatre notes là. Bah, pas forcément. Soit le Fa, soit le Sol, soit le La, soit le Do, soit le Ré, une de ces cinq notes. Mais il en faut plusieurs, quoi. Il faut un petit motif. Donc lui, il a fait trois notes. Nous, on peut faire deux notes, trois notes, quatre notes, cinq notes. L'idée, c'est pas de faire une phrase trop longue, quoi. Juste un tout petit motif qu'on puisse développer après, quoi. Doré, doré, doré. Ça sonnerait comment, ça? Doré. Là. Hein? Ah, c'est bien ça. Doré, fa. Là, Doré là, doré là. Doré là. par exemple, ça vous va, Doré là? Ouais, doré là. Allez hop. Alors on le fait avec quel rythme maintenant? Est-ce qu'on fait comme lui? Ou est-ce que on fait une mélodie, enfin un rythme un peu différent? Et si on faisait un triolet? Un triolet directement comme ça? Bon, Un triolet, puis ensuite un triolet de croche, et puis trois notes de silence. bon, bon.
Oui, c'est une bonne idée, ça. Bon. Justement, ça laisse le suspense. Ouais. Ou alors, Ah, plutôt j'ai que mis de mettre... aussi. En fait, alors bon, après, je vous dis, c'est ma démarche, mais on est obligé de faire pareil. Ce que j'ai mis aussi, c'est pour reprendre, pour refaire quelque chose un peu à la manière d'eux, c'est de reprendre les rythmes que Gershwin a écrit, toi. Donc, il a pas fait trigler. C'est des noirs, c'est des blancs, des trigles noirs éventuellement. Mais pour le premier motif, c'est bien de faire un truc simple, je pense. Ça Bon, sonnait à alors. peu près bien en faisant comme il faisait, je pense. Pardon, je sais pas. Pain. Ça fait... Ah, ça me rappelle quelque chose. Il y a une musique qui fait trop bien. Ça te rappelle quelque chose, c'est que c'est bien. Bon, on va commencer par ça. Allez. Et donc, c'est noir pointé croche, et puis une blanche. Un truc tout simple. Do. Et là. Voilà. Donc. Alors maintenant, donc lui, ce qu'il a fait, c'est que donc lui, il avait Ré, Mi, Fa. Puis après, il reprend Ré, Mi, Fa, la même chose. Et puis il enchaîne sur l'accord suivant, il enchaîne sur un sol. Vous me dites, il fait Ré, Mi, Fa, puis après, il fait Ré, Mi, Fa, Sol. Tout simple. Donc, est-ce qu'on fait comme lui? Si on refait la même chose, le même principe, Va faire un si bémol après. ou si bémol, ou. Oh, Alors. mais t'es en train de l'écrire. Moi, j'étais en train de l'écrire sur mes portées là. Ben, je suis en train de Super, l'écrire. j'ai rien à faire. Non. Ah, c'est cool. Du tout. Oui, mais est-ce qu'on pourra l'imprimer d'une manière ou d'une autre? Ben, je pourrais te l'envoyer éventuellement. D'accord. Donc, alors, si on refait. En fait, on avait dit que sur Fa diminué 7, comme note, on avait Fa, La bémol, Si et Ré. Alors, ce que j'aime faire aussi, et c'est ce qu'il fait la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est qu'il fait tout sur la gamme de Fa majeur, quoi. Donc l'idée, c'est pas de rajouter des notes qui n'en font pas partie, surtout au début, quoi, parce que ça va faire bizarre si on met déjà un Si bécart, alors que, bon. Donc là, plutôt que rajouter le Si, on peut rajouter le Sol. Ou un la bémol, ça fait quoi avec un la bémol? Le problème du La bémol, c'est qu'il n'est pas dans la gamme de Fa majeur. Non, mais il est dans l'accord. Oui, d'accord. Mais si tu veux, le principe de. Enfin, le principe qu'il a utilisé lui, c'est justement faire une mélodie tout en Fa majeur avec des accords un peu différents pour que ça sonne un peu différemment, si tu veux. Ah oui, donc ça c'est uniquement dans l'arrangement. Donc par contre, la mélodie, on reste en fa majeur. Voilà, c'est ça. Pam, pam, Surtout au début, parce que si tu commences à mettre des notes qui ne sont pas du tout dans la gamme de Fa majeur, on ne va pas comprendre dans quoi on est, quoi. Et si alors après la deuxième mesure, on mettait do, ré, si bémol? Mais non, Je mais pose la question. Hein, le et... bémol, il ne va pas, puisque dans l'accord de Fa diminué 7, on n'a pas de Si bémol, on a un Si bécart. Ah parce que... Alors donc, on reste dans les notes de la gamme de Fa majeur tout en croisant avec l'accord d'accompagnement. C'est-à-dire que si tu joues, en fait, bah, je dis ça pour tout le monde, mais si tu joues une note qui est située à un demi-ton d'une note de l'accord, Ah bah dissonance horrible, hein, ouais. voilà, en tout cas, ça va être dérangeant. Donc, soit on le fait exprès pour justement créer une dissonance, soit si on ne le fait pas exprès, il vaut mieux l'éviter, quoi. Toi, si tu joues le Si bémol et le Si bécart en même temps, Ouais. ça va être dur, quoi. Donc, le mieux, c'est jouer, donc pas le La parce que ça frotte avec le La bémol, pas le Oui. Si bémol parce que ça frotte avec le Si, donc il nous reste soit le Le Ré, fa et le ré. soit le Do, pas le Mi puisque. Pourquoi pour faire le mi éventuellement. Ouais, donc il reste pas grand-chose en fait. Et le fa dominant, quand même, quatre notes. Alors, on a le sol. Si on a ré, do, bah, c'est pour ça que je proposais do ré la sol. Ou alors, Ouais. alors après, il y a une autre possibilité, c'est le motif, c'est de le transposer. Donc on va faire do ré la, et puis après on recommence de ré, et puis on fait, si on recommence de Ré, non, ça ferait Ré, Mi, ça n'irait pas.
Do, ré, la, fa, sol. Voilà, on Ouais, peut si on le passait en fa. voilà, on peut faire do, ré, aussi. Alors, on peut faire, alors, ce qu'on peut faire. On peut faire ça. Bon, si on fait fa, note. Ça fait fa, sol. Fait fa, sol, et après, ça ferait fa, sol, ré. Pourquoi Et ça fait quoi? Vas-y. je joue les deux, et puis après, on les deux motifs, puis on voit si c'est pas terrible, on change. Perso, j'aime bien la deuxième mesure, mais je trouve qu'entre la première et la deuxième, il faudrait en mettre, enfin, avant le fa sol ré, ça serait bien d'en remettre une qui recommence comme la première, tu vois, à dorer quelque chose. Ou alors on met un sol Faire une entre transition. le... ou un sol entre le la et le fa. Oui, bonne Voilà, idée. c'est bien ça. Donc changer le la en mettant On peut la faire noire et sol noir. oui, ou noir pointe croche au... Noir pointé croche, parce que tu as raison, ça fait deux fois le même rythme. Ça va être plus joli. Bam, 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 bam. Oui, puis ça fait un bercement, c'est sympa. Ouais, pas mal. Ouais, c'est chouette ça. Ok, alors après, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il termine son motif en faisant dodo. On se Donc, couche alors. alors, oui, en fait, alors nous, on n'est pas allé jusqu'au sol mineur encore. Lui, il a prolongé jusqu'au sol mineur, puis après, il termine. Donc là, ce qu'on va faire. On va faire comme lui, c'est-à-dire qu'on va terminer sur le Do 7. D'accord? Donc on refait une mélodie différente maintenant qui nous permet de finir sur Do 7. Donc lui, sur Do 7, il finit simplement sur Do, mais nous, on n'est pas obligé de finir sur Do, évidemment. Mais en colonne. Qu'est-ce qu'on fait à la suite, quoi? Ça, pardon. Ça sonne bien, ça. Mi, ré, ré, do, si, ré, c'est ça? Oui, pas fa fa alors fa. Amen. Bon, c'est peut-être un peu long, je sais pas. Nous donne quoi au niveau mélodique, ça? Je joue ça. S'il te plaît. Pas mal du tout ça. Bon, qu'est-ce qu'en pensent les autres? Très bien. Bon, Je trouve alors. que ça sonne bien. Bon, Bon. Attends. alors qu'est-ce qu'il fait ensuite? Alors après, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il reprend le motif, le même, le début est exactement le même, sauf que c'est transposé. Donc on va essayer de faire pareil. Alors si ça... En fait, Là. au lieu de partir de ré, il part de sol, il part une carte au-dessus. Nous, si on part d'une carte au-dessus, ça ferait à partir du fa. Alors on va essayer de faire ça. On va commencer le début, et au lieu de faire sol, la, si bémol, sol, la, si bémol, oui. En fait, il reprend les deux, trois premières mesures, en tout cas les deux premières mesures, et il les transpose. Donc on va faire ça, on va les reprendre et on va les transposer. Donc si on les transpose... Une carte au-dessus, t'as dit? Ouais, une carte au-dessus. Donc ça fait fa au départ. On va faire un truc simple, on va se casser la tête. Hop. Touk.
Il est cool ton logiciel là, il est bien. Ça gagne du temps. Donc, alors, faut quand même vérifier que ça tout colle, mais je pense que oui. N'y a pas de raison. Mais ça va, bah, ça dépend. Ça va sur les accords en tout cas. Fa, sol, ré, do, ça va bien sur sol mineur 7. Si bémol et do sur sol mineur 7 bémol 5, ça va. Et sur sol sur do 7 bémol 9, ça va. Donc là, après, il faut que ça nous plaise mélodiquement. Donc je joue tout ça et vous me dites ce que vous en pensez. Attends, je chante pas en même temps parce que comme il y a un décalage avec Oh, pardon. un effet de latence, ce qui fait que j'entends des sons qui se. D'accord. Bah, c'est pas en même temps, si tu veux. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de musique tous en même temps, parce qu'il y a comme il y a une latence à chaque fois, tout Va se met. pas être pratique, ouais. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Bon. Et alors ensuite, bah pareil, il termine la phrase, pareil à transposer à la carte. Donc nous, ça nous fait. Alors là, ça fait commencer à aller très haut, mais éventuellement on change de tessiture, on va voir ce que ça donne. Donc là, si on fait la même chose, transposer à la carte au-dessus, là, On fait ainsi. ça commence à être très haut. Ouais. Parce que là, l'idée quand même, c'est de rester, enfin, de pas trop s'éloigner de départ. Donc, ce qu'on peut faire, peut-être, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que la note précédente, au lieu de la faire en haut, on peut la faire en On bas. la fait en bas. Et puis comme ça, on transpose tout à l'octave inférieure. Ouais. On va faire ça. Et on va réécouter à chaque fois, hein, ce que ça donne. Inférieur, pouf. Bon. Alors, je rejoue tout depuis le début. Alors, là, il y a un problème. Ouais, le mi, il sonne pas bien. Surtout que le si bémol sur le fa 6, ça va pas sonner du tout là. Ah oui, c'est vrai, on a un fa 6 là. Donc, comme quoi, il faut toujours adapter hein, en fonction des accords. Donc là, au lieu de transposer à la carte, on essaie de transposer à la tierce éventuellement. Quoique si on fait ça, non, il vaudrait mieux composer. Enfin, parce que si je fais la fa, ça va, mais après Ah, le mi, c'est bon. après, ça va plus aller. Si, c'est bon. Si, Ah c'est bon. si, mi, oui, Mais mi, ré. le fa après. Alors attends, je transpose déjà. Donc je rebaisse d'une seconde diatoniquement. Voilà. Donc là, la D'accord. fa mi ré et le fa. Alors la 7 plus bémol 9. Ah bah ça tombe parfaitement parce que la 7 plus la plus 7 bémol 9. Tu connais cet accord, Pascal? Non. Alors c'est la, do dièse, mi dièse, sol, si bémol. Et donc le mi dièse, c'est l'énharmonie du fa. Et ben ping, il est justement dessus. Waouh! Ok, bah oui. Et c'est Ok. une caractéristique de l'accord, du coup ça colle parfaitement. Alors je refais la mélodie, il faut que la mélodie plaise à tout le monde. Qu'est-ce que dit Mick? Bien aussi pour lui. D'accord. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ok, bon, alors on a bien avancé. Alors, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Après, Alors, Ray. là, cette fois-ci, notre prof, c'est Gershwin, là, pour le moment. Donc, là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un autre motif. Donc, la, fa, sol, fa, la, fa, sol. Donc, en fait, il prend juste trois notes, la, fa, sol, et puis il fait presque tout avec ça. Donc,
Donc là, il nous faut le concours de Camille. Fa, fa, sol, fa, et là, fa, sol. Bon, en fait, il met juste le fa et il refait la même chose. Alors, ce serait bien de faire pareil, mais après, comme je m'y connais pas dans les accords et tout. Alors, ouais, en fait, au début, il faisait ré mi fa, puis ensuite il a fait ré mi fa sol, et après il a fait la fa sol. Donc, si on refait un peu ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'à la place du mi, tu mets le la et ça fait la fa sol. Donc, pour nous, ça serait quoi? Ce serait do ré la sol fa, même pas fa sol la. Ouais, ouais, c'est ré, do, ré, la, sol, fa. Donc, il faudra un truc du genre. Ouf, ça va être un peu difficile. Mais et en commençant sur un la, parce que là, avec le ré mineur, ça va, et au lieu de faire de redescendre après le la, au contraire, de prendre son symétrique en montant, ça fait quoi? Ça ferait la do, si bémol. Après, le si bémol, il passe pas sur ré mineur. Ah non, ça va faire là. Ouais. Alors sinon, si on commence par le sol, ou alors on commence par le mi, parce que le mi, il passe bien sur ré mineur, ça ferait mi sol fa à ce moment-là. Mais bon, si on fait mi sol fa, le mi, il passe bien sur ré mineur, le sol, il passe bien sur ré mineur. Le fa, généralement, il passe bien sur ré mineur 7, mais comme on a une base de do, là, ça fait un écart de quarte, et ça, c'est pas très C'est heureux. pas terrible, c'est une dissonance aussi, ça, ouais. Ouais, c'est pas très joli. Donc, il faut autre chose, quoi. Peut-être mi sol Par contre, je comprends pas pourquoi le mi, il va avec le ré mineur. Parce que ré mineur, on a ré, fa, bémol, la ré. Donc mi, fa, c'est En pareil, fait. tu le tournes. En fait, en jazz, tous les accords de trois sons, tu peux leur ajouter la septième mineure. Donc là, enfin, en tout cas la septième. Donc ça ferait ré fa la do. Donc le do, il passe très bien sur ré Oui. mineur. Et la neuvième majeure également, le mi. Ça, c'est. Ah, d'accord. Ah, ben, je savais pas. Voilà. Donc ça, c'est Je surtout. t'apprends. Alors, en fait, sur tous les accords de jazz, Oui. généralement, enfin moi, quand j'ai mon tout premier cours de piano jazz. C'était révision des accords de cinq sons, tu vois. C'est que même en jazz, on fait plus quand je vois ré mineur, je joue ré mineur 9, si tu veux. Donc en fait, D'accord. tu peux mettre la neuvième majeure sur tous les accords, sauf sur les accords diminués. Et aussi, D'accord. sur le, faut pas mettre non plus la neuvième majeure sur le troisième degré d'une gamme. C'est-à-dire que si, en fa majeur, le Oui. troisième degré fa sol la, l'accord, c'est la do mi sol. Oui. Et si tu rajoutes, en fait, si tu rajoutes le si, bah, tu dis, bah, ça sonne bien, mais le problème, c'est que le si, il fait pas du tout partie de la gamme de fa majeur. Tu dis, Non. bah, qu'à cela ne tienne, j'ai qu'à mettre le si bémol, mais du coup, ça frotte à mort avec le la. Donc ça, c'est à éviter. Mais sinon, D'accord. tous les autres accords, tu peux rajouter la neuvième. J'ai Donc, noté ça en même temps, je te remercie. il faut Ouais. savoir que sur l'accord mineur, il y a les notes qui font pas partie de l'accord, mais qui sonnent le mieux, c'est la neuvième majeure et la onzième juste. Ça, c'est des notes qui sonnent super bien sur les accords mineurs. Alors, si c'est pour ça, toi, il met un sol, il fait la, fa, sol, du coup, le sol, il sonne super bien, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, je sais pas, moi, on en était. Ah oui, on en était au ré mineur. Alors, Tu m'avais peut-être. dit mi? Voilà, si on commence par le mi, parce que comme on avait un fa juste avant, le mi est pas mal, puis comme c'est la Oui. neuvième, ça sonnerait bien. Et donc, il nous faudrait une mélodie qui commence par mi, et qui soit un truc. Et lui, il jouait quoi déjà, t'as dit à ce moment-là? Faisait la fa sol. D'accord. On peut faire mi ré mi, hein, éventuellement. Je sais pas si on peut trouver plus original. Mais. Dorémi. Dorémi, la perdrix. Bah pourquoi pas, Dorémi, alors, on essaye Dorémi. Et ça marche avec les accords Oh bah oui, bah le do, c'est la septième mineure, donc il n'y a pas de problème.
Le Ré, évidemment, ça fait partie de Ré mineur. Et puis le Mi, il fait partie, il va bien sur Ré mineur 7. Et en plus, avec la base Do, ça marchera bien. Donc on peut faire ça. D'accord. Alors, rythmiquement, lui, il avait fait ça, mais on n'est pas obligé de faire pareil, une fois, encore une fois. Donc là, il faisait ça. Et puis ensuite, on se ferait Do, Ré, Mi. Voilà. Donc si on fait. Alors depuis le début, ça ferait ça. Ah oui, excuse-moi. Non, mais coupe ton micro à ce moment-là si tu veux chanter en même temps, parce que je t'assure Non, qu'avec je vais la couper parce que. avec la latence et le temps, ça fait un peu cafouille. Non, lui, il fait la fa sol, alors nous, on aurait fait mi doré. Ah, mi doré, non, do ré mi. Et Do doré mi. ouais, do ré mi, bah, ça marche. Bon, on laisse comme ça ou vous voulez changer? Parce qu'elle ne dit plus rien. Non, je Ah réfléchis. ouais, bah, je t'en prie. C'est pas souvent, ça me fait taire, justement. Ah. Poum, poum, poum. Bon, c'est pas mal. L'avantage, c'est que comme on est un petit peu loin du Fa, bah non, mais c'est pas. Moi, ça me choque pas. De toute façon, on va le développer, hein, on va pas rester sur Dorian. Voilà, tout dépend de la suite, en fin de compte, quoi. Voilà. Donc lui, ce qu'il fait, c'est la Fa sol, et puis après, il refait Fa, et juste une petite note de transition, puis il refait la Fa sol. Il le fait deux fois. Donc avec un rythme différent. Donc nous, si on fait Do Ré Mi, et qu'on reprend Do Ré Mi, alors le Do. Il va pas aller avec Si mineur 7 bémol 5, parce que là, ça va frotter à mort avec le Ouais. Si. Donc, mais on peut faire Ré, Mi, Fa. Ah, mais oui! Je dis ah, mais oui, parce qu'en fait, l'accord de Mi plus 7 bémol 9, donc c'est Mi, Sol dièse, Si dièse, Ré, Fa, justement. Donc la bémol 9, c'est justement une note caractéristique. Donc c'est bien de finir par un Fa. Donc si on fait Do, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Donc aller sur un fa, ouais, ça irait bien. ça irait parfaitement. Donc, Oui. alors ce que je vais faire, alors par contre rythmiquement, donc il allonge en fait. Donc il fait, ça ferait Ré noir pointé croche, Ré, non, Ré, donc Mi et Fa. Voilà, comme ça. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il fait là? Et entre les deux, il nous faudrait quelque chose. Entre Do, Ré, Mi et Ré, Mi, Fa. Bon, on peut faire un Do, hein, je sais pas. Bah, t'as mis un soupir. Bah, pour l'instant, j'ai mis un soupir parce qu'on n'a pas encore écrit. Ah Mais. oui. Bon, c'est un peu bateau, ça, quand même. Mais. Pour une vraie. Remettait un mi? Encore un mi? Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Mi. Ouais. Ça. C'est bien ça, non? Oui, bah pourquoi pas à J'aime ce bien. moment-là. Il faudra continuer à monter, et puis oui, pourquoi pas, si ça vous dit, on y va. Alors, Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Mi, Fa. Donc, ok. Alors, Mi, Fa. Ensuite, il fait quoi? La, Fa. Sol, après il refait Fa la, donc c'est pas tout à fait, bah, non, c'est pas tout à fait la même mélodie. En fait, il termine sur le Fa dièse mineur 7. Donc en fait, enfin sur le premier temps. Donc on a encore une mesure pour développer notre mélodie. Donc Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Mi, Fa. Bon, on peut continuer de monter puisqu'on avait commencé à monter. Non, ça peut être cohérent de continuer. Ça.
c'est pas mal ça. Oui, il faut pas chanter. Attends, ça ferait sol, la, do. Si bémol. Si, la, sol, la. Voilà. Puis ça va bien avec le fa dièse mineur 7 bémol 5, parce que dans le fa dièse mineur Ouais. 7 bémol 5, il y a un la justement. Alors, par contre, ah ouais, dans le mi 7 bémol 9, on a un sol dièse. Là. Si je joue le sol sur le quatrième temps, c'est un peu, ça va frotter un peu quand même. Ou alors le sol, je le mets sur l'accord suivant. Mais comme la basse est sol, mettre une mélodie avec sol alors que la basse est sol, c'est pas terrible. Ré, mi, fa, si, la. Comment on peut faire? Et si on zappait le sol et qu'on allait direct sur le la? La douce, si, la, sol, fa. Ouais, pourquoi pas. Voilà, on essaye. Il y avait un truc qui me plaisait bien et à la fin j'aurais mis mi ré. Ça? Les deux dernières notes, là, mais, comme tu avais fait là, mais à la fin j'aurais mis mi ré. Ouais, mais le ré il va pas aller sur le fa dièse mineur 7. Ah. Quoique. Ah si, peut-être. Si, peut-être. Alors attends. Fa dièse mineur 7 bémol 5. C'est fa Ouais, dièse. je ne saurais pas dire. Fa dièse, la, bémol 5, oui, donc do, et mineur 7, mi, ah, si, ouais, éventuellement. Donc tu voulais finir par quoi? Par mi ré? Ouais, j'avais entendu. Ça sonne bizarre, non? Allô? On en est où là? Bah, là, on est en train de faire. Après, on a trouvé. Oui. Et Camille disait de plutôt terminer par mi ré. Mais non, Parce du coup. Hein? Oui, ça fait descendre. Oui, ça peut être bien. Ouais, mais Ouais, ça. mais après, à le faire, c'est bizarre. Pardon? À le faire, ça fait bizarre. Ouais. Quand je Oui, le ça faisais, fait ça bizarre. faisait joli, mais là, à le faire, ça fait bizarre. Non, ça fait bizarre. Non, on le sent comme ça. Par contre, ce que j'essaye de trouver, c'est la transition entre ré mi fa et puis la do. Donc, ah, c'est dommage d'avoir un blanc ici, je trouve. Et si on faisait tout simplement à ce moment-là une noire pointée croche, comme ça, il n'y aura pas de J'aurais trou. mis un sol, moi. Oui, mais au début j'avais mis un sol. Oui. Mais il y a l'accord. Oui, Pas. il y a l'accord qui est un peu avec le sol dièse, quoi. Bon, après, est-ce que c'est vraiment gênant? Ben non, c'est pas. Bon, non, ça peut passer. De toute façon, c'est sur. Après tout. Alors attendez, 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 parce que lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, bah ben, justement, il a mis un sol dessus. Alors, bah ouais, bah du coup, ça frotte un peu, mais c'est voulu, apparemment. Attends, c'est bizarre ça. Mi, sol, dièse, ouais. Et alors, question bête, Bah j'ai non, aucune idée là.
Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, on est sur alors, do, ré, mi, mi, ré, mi, fa. Et, alors, et si on mettait un sol dièse, là, ça ferait quoi? Non, mais le Ça problème, ferait une. bah, si on met, c'est pas du tout dans la gamme de fa majeur, quoi. C'est ça le Non, problème. pas du tout, mais ça pourrait être marrant, peut-être. Bah, si je vais essayer, On mais tu peut faire vois. des petites modulations, non? Bah, le problème du fa sol dièse, c'est que ça va faire un ton et demi. Enfin, je le fais, mais ça va pas À sonner. faire un hiatus. Bon, Non, pas du tout. non, mais vaut mieux laisser Non, le sol. ouais, De vaut toute mieux façon, laisser le bécart, ouais. c'est juste une croche et ça fait une petite tension, puis c'est résolu après, donc c'est pas. Ouais, et on n'en parle plus. Ouais, c'est pas si grave. Alors le la, par contre, attends, sur mi 7 bémol 9, mi sol dièse, do, ré, fa, ouais. Bon, on écoutera, mais je pense que ça doit passer. Alors, donc je refais tout depuis le début. Là, bah, il est bientôt l'heure là. Bah, si je refais ça, on s'arrête là et puis on se refait dans 15 jours, ça vous va? Ah ouais, super. Bon, Oui. donc voilà, comme ça on avance petit à petit. Donc je refais, voilà tout ce qu'on a composé tous ensemble. Bah, c'est bien ça. Ça me plaît bien, moi. Ok, bon, bah super, bravo. SACEM n'est pas loin. Pardon? La SACEM n'est pas loin. On va pas tarder à pouvoir le déposer. Bah oui. La SACEM n'est pas loin. Oui, bah oui. Donc, Oui, mais enfin, de toute façon, Bertrand, c'est toi qui es sociétaire, donc c'est toi qui prends les sous. ah non, ça marche pas comme ça. C'est. Ah non, ça marche pas comme ça. Je t'explique en deux mots. Alors là, ça peut servir à tout le monde tous ceux qui veulent. Non, c'est pas que c'est moi qui prends les sous. C'est que pour pouvoir déposer un morceau à la SACEM, soit il faut être sociétaire de la SACEM, soit il faut être en coécriture avec quelqu'un qui est déjà sociétaire, ce qui est mon cas. Donc ça veut Oui. dire que comme je suis sociétaire de la SACEM, vous pouvez déposer un morceau avec moi. Alors, l'idée, c'est que comme vous n'êtes pas encore sociétaire de la SACEM, c'est vous, si jamais notre morceau est repris par un grand jazzman, c'est déjà arrivé, hein. Bon. Ah, c'est vrai, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est pas du tout, on dit pas, ouais, on est en train de rêver, ben non, pourquoi pas. Donc, si c'est repris et que vous n'êtes pas sociétaire de la SACEM, eh ben, vous ne touchez pas les droits d'auteur, on va dire, les droits de compositeur. Mais dès que vous pouvez rentrer à la SACEM, eh ben, par rétroaction, vous pouvez toucher les droits sur les morceaux que vous avez composés avant de rentrer, parce que vous avez composé avec quelqu'un qui est sociétaire de la SACEM. Ah oui, rétroactivement, ça peut marcher. Marche. Et par Comment se passe ça, contre, du coup? Pardon? faut que je commence maintenant. Donc, après, pour être sociétaire de la SACEM, c'est pas très difficile. Avant, c'était très dur. Avant, il Oui, fallait. avant, tu te rappelles, il y avait un super examen et tout. Ah Maintenant, oui, ils te demandent un chèque, si je me rappelle bien. pardon? Maintenant, ils te demandent un chèque plutôt qu'un examen. Non, Et non. avoir été joué Non, alors un c'est pas. certain nombre de fois, je crois, non? Alors, c'est plus ça. Avant, effectivement, mais ça remonte très loin, de très très longtemps, ça, dans les années 60-70, il fallait passer un examen de solfège. Et c'est ce qui fait que, par exemple, Édith Piaf, au début, pouvait pas. La Vie en rose, qu'elle a fait Paroles et musique. Elle ne pouvait pas la déposer à la SACEM parce qu'il fallait passer un examen de solfège et comme elle ne connaissait pas le solfège à l'époque, elle ne pouvait pas passer l'examen. Donc elle est passée par quelqu'un d'autre et bon, bref, il y a toujours des histoires comme ça. Mais donc il y avait un examen de solfège. C'est pas très difficile, mais enfin, c'est simple. Bon, il fallait pas passer par là. Et puis bon, après, ils se sont dit, bon, après tout, tu peux très bien faire des chansons, faire des compositions, ne pas savoir écrire le solfège, mais quand même capable de savoir ce que c'est qu'un accord, un rythme, voilà, dans vraiment faire ton métier.
Donc, ils ont commencé, on dit, bon, bah, finalement, l'examen de solfège, ça ne sert plus à rien. Donc, simplement, il faut que ce soit légitime. Si tu ne sois pas quelqu'un dans la rue, tu sais, tiens, pourquoi je ne serais pas à la SACEM, et tu pourrais inscrire n'importe qui. Donc, l'idée, au début, il fallait qu'il y ait au moins trois chansons qui avaient été exploitées sur disque ou qui étaient reprises, qui ont fait de la scène, etc. Et en fait, comme maintenant, bah, on fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui se font connaître sur les réseaux. Et même, il y en a qui ne sortent pas un disque avant d'être vraiment connus. Je connais des artistes comme ça qui ont été signés, ont commencé à faire des radios, etc., parce qu'ils avaient 1 million de vues sur leur chaîne YouTube. Ils n'avaient pas sorti un disque de leur vie, quoi. Simplement, on est venu les chercher en disant, waouh, c'est marrant votre truc, et hop, ils commencent à être connus. Donc, ils se sont dit, en fait, on peut très bien avoir des artistes qui n'ont pas encore eu de chansons ou de morceaux exploités sur disque ou de faire des concerts, mais qui finalement ont quand même une certaine notoriété parce qu'ils sont vus sur YouTube. Et donc, ils se sont dit, bah, ceux qui ont du succès sur YouTube sont légitimes à s'inscrire à la SACEM. Et alors, ils ont mis la barre assez bas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis la barre à 1 million de vues, parce qu'un million de vues pour une chanson, c'est assez rare. Et ils ont mis la barre à 1 000 vues. Donc, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas énorme, ouais. Donc, j'ai une chanson qui, à l'époque, devait avoir fait, je crois, 3 000 vues à peu près. Donc, je dis, ah bah tiens, j'ai une chanson qui a fait 3 000 vues sur YouTube. Donc, voilà, c'est bien plus que 1 000 vues. Alors, après, ce n'est pas automatique. Il faut quand même remplir un dossier avec pas mal de papiers, avec les deux motivations. Enfin, il faut vraiment expliquer quelle est ta démarche, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'inscrire à la SACEM? C'est pas juste, tiens, j'ai eu 1 000 vues, tiens, ça m'amuse, voilà. Donc, après, bon, faut payer une petite cotisation, mais c'est pas énorme. Mais c'est surtout parce que les frais de dossier et tout ça, il y a quand même des gens qui bossent, Bien hein. sûr. On a de les payer. Mais une fois que, mais il y a quand même un dossier à remplir, etc. Donc, il y a le dossier, ils vont voir la vidéo, ils vont voir qu'effectivement, bah, c'est vrai, il y a eu plus de 1 000 vues. Bon, d'accord. Et puis, c'est vraiment une chanson que tu as vraiment écrite. Parole musique, par exemple, si tu te déclares comme auteur-compositeur, si tu déclares uniquement comme compositeur, ben, il faut que ta musique soit vraiment de toi. Si tu es co-auteur, ben, il faut que le texte soit vraiment de toi. Et puis, une fois qu'ils ont vérifié tout ça et que ben, ils étudient un peu ton dossier, ils se disent, bon, bah ben, ok, ça marche. Et puis là, il y a un petit délai d'un mois ou deux, enfin, parce qu'évidemment, ils reçoivent beaucoup de demandes. Et puis après, tu es accepté. Et puis après, à partir de ce moment-là, tu peux déposer ce que tu veux à la SACEM. Simplement, il faut. Ben, faut un petit travail à faire. Alors après, pour les dépôts en ligne, justement, si on dépose un morceau à plusieurs, c'est que après on répartit le pourcentage de ce qu'on va toucher grâce à notre succès. On répartit ça entre équitablement, c'est entre nous, quoi. On peut très bien dire, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire une chanson à quatre, et il y en a un qui faisait que la musique. Donc lui, il prenait 50% des droits parce qu'il a fait la musique et on a partagé les autres, les 50% qui restent C'est logique, ouais. entre les 4 auteurs. Voilà. Après, il y en a qui te disent, ouais, mais moi, j'ai pas écrit beaucoup. Toi, t'as écrit un peu. Oh là, c'est du crépage de chignon, là, ça, c'est pas Ouais, c'est bien, facile. mais Et surtout. je me suis fait engueuler une fois par un auteur qui m'a dit, quoi? Parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est un bug sur mon ordi ou quoi, mais j'avais pas compris qu'on pouvait mettre des pourcentages à virgule. Parce qu'en fait, comme on était quatre à faire une chanson, donc il y avait 50% pour le compositeur, et sur les 50% qui restaient, ça faisait 12,5 chacun pour Oui. l'écriture de texte. Et alors, je sais pas si en tapant 12,5, enfin, ça n'a pas été accepté, je lui ai dit, tiens, on peut pas mettre de virgule. Bon, bah, il va falloir arrondir, quoi. Alors, je me suis dit, bon, alors, on va faire du 12, du 13, et enfin, 12, 12, 13, 13, quoi, un truc comme ça. Bon. Alors, je lui ai dit, bon, bah. Alors bon, comment je répartis? Alors j'aurais pu appeler chacun, si tu fais 12 ou 13, enfin bon. C'est quand même mesquin, bon, tu sais, bon, on prend une chanson qui est. La chanson était reprise, hein, elle était reprise sur scène, mais enfin, c'est pas avec ça qu'on va faire fortune non plus. Enfin, donc, Non. bon, alors je dis, bon, on n'est pas 1% près, quoi. Donc je dis, bon, bah voilà, bah, un tel a beaucoup composé, moi j'ai apporté toutes les idées. Elle a vraiment beaucoup écrit, puis les autres un petit peu moins, mais ils ont quand même trouvé des idées. J'ai dit, bon, bah, on va mettre 13, elle pour elle, 13 pour moi. C'est moi qui ai apporté l'idée de la chanson et toute la trame et quelques mots. Donc, je dis, bon, voilà, j'en ai Ouais, puis 12 pour les autres. un petit peu plus que les autres. Elle a beaucoup écrit, et puis celui qui a composé, il a sorti quelques mots, puis lui, il a sorti une phrase. Donc, je dis, bon, allez, on va faire 13, 13, 12. Oh,
Voilà, je me suis fait engueuler. Ouais, t'aurais pu me payer. Ouais. Donc après 13, moi j'ai pris 12. Oh là là, je m'attends, mais. Oh, voilà. Et un jour, attends, soit on gagne rien avec, donc je vois pas l'intérêt de s'engueuler pour ça, soit on gagne 1 million avec, et à mon avis, bon, quand tu auras gagné 12% d'un million, tu seras plus à 1000 balles Il près. ne sera plus, voilà, exactement. Ouais. Non, mais enfin, le gros avantage, c'est que ça protège ton travail. Exactement. C'est surtout ça. Ouais. Ouais, Moi, je me suis fait avoir. C'est pas pareil, moi, c'est dans le domaine de l'écriture pure, avec la boîte Hachette, comme ça, que quand j'avais fait une cession de droit sur ce que j'avais publié chez Hachette. Et dans le contrat de cession de droit, ça disait que si quelqu'un rachetait pour faire autre chose, bon, bah, Hachette prenait ses frais et qu'après, moi, je récupérais le reste. Alors, mes textes ont été vendus à Picsou Magazine, qui n'ont pas largué un son, et Hachette ne m'a rien rétribué. Et surtout, ça a été, il y a un des textes qui a été repris pour faire. Alors, il y avait une chaîne de, comment ça s'appelle, de dessins animés, qui devait s'appeler Les Cités Englouties ou un truc comme ça. oui. Et ils ont repris mon histoire pour faire le scénario d'un dessin animé. Ah la vache. Et là, par contre, moi, je l'ai appris bien trop tard. Comme c'est un délit, il y avait prescription. Et je me suis assise dessus. Ouais, c'est moche. À la propriété intellectuelle, c'est vrai que parfois on a des mauvaises surprises si on n'a pas bien bouclé le truc. Enfin, la SACEM, j'ai encore jamais entendu de histoire comme ça. Enfin, c'est Non, les non, seules non, à la histoires que j'ai SACEM, il n'y entendues. a pas de souci. La seule histoire que j'ai entendue de la SACEM, c'est les gens qui justement se sont dit, bon bah je dépose pas ma chanson maintenant, bon c'est pas, je la déposerai quand ça sera vraiment fini, puis ils commencent à en parler aux autres, tout ça. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Oh Ouais. bof, pas trop, bah, vas-y, donne-moi tes textes, je vais te dire ce que j'en pense. Et puis boum, Oui, le c'est gars sort comme ça. compliqué. Et j'ai une amie qui s'est fait avoir comme ça, et quand l'album est sorti, elle a reconnu vachement ses textes. Je dis, Bien, bah, c'est comme par génial, hasard. T'as fait les textes de son album. Ouais, mais en fait, je lui donnais mes textes, je les ai pas déposés. Je lui ai dit, mais tu fais exprès, quoi. Un chanteur connu, quoi. Et donc, je dis, mais enfin, tu fais exprès, quoi. Ben oui, mais comme on est en train de travailler dessus, bah attends, tu déposes tes textes avant. Et puis si c'est vraiment pour exploiter, bon, évidemment, dès que tu as un brouillon, tu ne le déposes pas quand même, mais dès que tu le fais connaître, tu travailles avec un artiste, bon voilà, j'ai fait des chansons pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu les déposes avant. Si le gars te Ouais. dit, bah, écoute, ça m'intéresse pas, mais je les garde quand même, et puis que les sors, bah, Ah. tu peux récupérer, enfin, tu peux porter plainte, récupérer les droits. Ou de toute façon, le gars, il ne pourra pas les déposer. Mais si jamais, finalement, bah, le gars est honnête, et que vous changez quand même un peu le corps du texte, et que vous refaites le texte à deux, et ben, tu fais une modification de dépôt, c'est tout, Bien sûr. quoi. Alors, Moi, c'est pas. ceci dit, il y a un truc qui marche très bien. Si, bon, ben voilà, tu es là, tu composes un texte ou même, enfin, tu écris un texte ou tu composes une mélodie et tu déposes pas. Alors, avant de la montrer à qui que ce soit, tu t'envoies à toi-même une lettre recommandée avec tout ça à l'intérieur et surtout, tu ne l'ouvres pas ta lettre recommandée. Oui, mais c'est ce qu'on disait au début, mais enfin, j'ai entendu ça de longtemps, on l'envoie soi-même. Le problème, c'est qu'une fois que la lettre est ouverte, parce que si elle est ouverte dans un tribunal, enfin, tu vois, c'est délicat, une fois qu'elle est ouverte, faut prouver qu'elle faisait bien partie, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, écoute, moi je tiens ça. Mon mari il était secrétaire général en province de la SACEM et lui il me disait qu'il y avait des gens qui fonctionnaient comme ça et c'est rarement arrivé jusqu'en justice, mais quand c'est arrivé en justice, ils avaient toujours gain de cause. Bon, bah, tant mieux. Bah, après tout, bon, enfin, c'est quand même moins onéreux de déposer à la SACEM Oui, que d'envoyer des courriers en c'est France. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout que moi, des chansons, j'en ai fait 500. T'imagines, 500 courriers? Waouh! Ça m'a coûté cher. Non, Mais. mais là, quand t'en fais beaucoup comme ça, c'est évident qu'il faut déposer, quoi, oui. Après, j'ai pas déposé mes 500 chansons parce que. Alors, je suis très perfectionniste et j'ai toujours un mot que ah, ça me gêne un peu ça. Quand je chante ça, bof, ouais, je vais peut-être changer. Donc j'ai déposé une trentaine d'œuvres, mais bon, un jour je me dis bon, il va falloir que pendant les vacances de Noël,
prendrai du temps et puis je déposerai un peu plus parce qu'il y a quand même pas mal de. Ne serait-ce que les compositions instrumentales, Ah oui. j'en ai fait des milliards. Donc là, je me dis, bon, après, il y a aussi l'intériorité, quoi. Si, tu vois, si tu déposes, si tu fais une musique, par exemple, sur YouTube, et que quelqu'un la reprend et dit que c'est lui, et tu dis, ah zut, j'ai pas déposé avant, bah, tu peux dire, bah oui, vous le déposez quand? Le 26 novembre 2021? Ah bah ça tombe bien, mais justement ma vidéo elle est du 12 avril. Comment vous avez fait pour Ah composer un oui. morceau avant que j'ai des. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ah oui, Donc, c'est vrai. Vu comme ça, les vidéos sont l'intériorité, elle datées. fonctionne aussi. Donc, faut pas Oui. avoir trop peur non plus. Je me rappelle une amie qui avait. Je lui avais donné des cours de poésie, parce que je lui ai appris à écrire des poèmes, quoi. Et elle avait publié son recueil sur Facebook. Et quelqu'un l'a repris, il l'a sorti à son nom. Elle dit, je me suis fait Ah. avoir. Mais j'ai dit, mais tu peux porter plainte Bah, ça veut prouver, là, oui. et tu peux prouver l'intériorité. Tu demandes à Facebook la date de publication, ils ont une carte de tout. Donc c'est un avantage. Donc, oui, je n'ai pas voulu, oh là là, mais bon, on ne l'a pas voulu parce que j'ai dit, oh là là, si jamais je perds mon procès, puis ça va me coûter des sous. Oui, mais enfin, c'est ton œuvre quand même. Tu as passé 2 ans Oui. à faire le bouquin quand même. Et Bah, après, en plus, mais. ça doit te faire ça. Quand tu crées quelque chose, bah, c'est comme ton bébé, quoi. Tu donnes naissance à quelque chose. Donc, bah, t'as pas envie que n'importe qui en fasse n'importe quoi. Ah bon. Bref. Bon, allez, on s'arrête là parce qu'il est tard. Oui, on n'est pas quitte, Donc, c'est sûr. mercredi prochain, je vous fais l'album Back to the Egg de McCartney, OK. l'harmonica. Et Et dans 15 jours. donc un jour, on continue notre superbe balade de jazz. Super, impeccable. On fait comme ça? On fait comme D'accord. ça. Bien, bonsoir Pascal, Camille, Mick. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bertrand, merci. Bonsoir Camille et Mick aussi. Bonsoir. Bonsoir.